suis venu ce soir-là pour congratuler notre tante. C'est pas tante, tante Brigitte. Non, grand-mère Brigitte. La future première dame de la France, là. Tante, congratulations. Félicitations. Tu as soulevé notre tête. Hein? Tu nous as fait honneur. Avec toi, j'ai regagné espoir. Hé, tante, la présidente des Nyanyi. Hein? Vous, les petits, là, venez ici. Vous, les petits garçons, qu'on vous fait la cour. Vous êtes là à écouter vos mamans, à écouter la société. Genre, comme si tu as peur de m'amener là-bas, ta maman va dire, hey, c'est une camarade, une comme moi, vieille, que tu es venue me présenter comme femme. Tu as peur que la société va te juger. Tu t'en apprends les petites filles. Vous êtes en train de faire compétition avec les vieux pères. Laissez les petites filles à elles, les vieux pervers là. Et venez chez les Nyanyi. Parce que nous, les Nyanyi, quand on te prend, qu'est-ce qu'on veut de toi? On ne veut pas ton argent. On te prend des Nyanyi, on t'amène à VIP, demande à Emmanuel Macron. C'est pas lui, Emmanuel Macron, c'est pas lui qui va être président de la France là. S'il avait pris les filles qui sont sur les chaussures pointues avec les seins pointues là, il allait être même député. Non. Il a pris sa Nyanyi, sa Brigitte Nyanyi, même ta caractère, tant qu'il va se retrouver dans wheelchair, dans la chaise là. Mais Emmanuel est calé. Toi petit, c'est comme le petit des talons là. Hein? Kofi quoi? Toi petit là, il t'a pas fait la cour. Tu m'as pas négligé pour aller prendre les jeunes filles. Ta carrière est partie où? Si tu étais venu, j'allais te vendre pro. Tu m'as laissé, tu es parti chez les petits. Tu es pro? Même si tu vas être pro, tu peux pas être pro. Voilà, vous les petits, quand vous faites la cour, venez. Parce que nous les Nyanyi, quand on dit derrière un grand homme, se cache une grande femme là. Derrière un grand homme, se cache une Nyanyi. C'est une Nyanyi seulement qui est derrière le grand homme. Hein? Les Nyanyi, ça te pompe, ça te pousse, ça monte, ça fait monter ta carrière, ça te upgrade. Mais les jeunes filles, c'est souci, c'est défaite, c'est chagrin. Hein? Donc quand nous les vieux, on vous fait la cour, et tante Brigitte Macron, hein? La future première dame. Non, tu m'as donné espoir, tanti. C'est pas tanti. Hein, grand-maman. Non, c'est pas grand-maman. Même que quand tu la regardes, c'est pion de MS, mais son dirait spaghetti là. Emmanuel est calé. Il n'a pas regardé que tout est plat, tout est tombé. Emmanuel est calé. Les petits, cherchez les Nyanyi. Quand tu t'amuses à un Nyanyi, ta carrière va prospérer. Quand tu t'amuses à un Nyanyi, tu gagnes longue vie. Si tu restes là, les petites filles là, tu vas finir par devenir directeur général de 419. Donc, quand nous voyons, nous, les vieilles, dont nos carrières sont en stand-by là. Comme nous-mêmes, on vient vers toi, accepte. Quand toi, il faut avoir le courage de venir vers nous. Parce que c'est avec nous que tu peux te lever comme ça. C'est avec nous que tu peux devenir quelqu'un. Les petites filles n'ont pas fini de porter le boudin, l'Ubarda. Ces carrés, ils vont te pousser. Donc, tante Brigitte, hein, félicitations. Merci, mes encouragements. Ah, ouh, tu m'as redonné espoir. Hmm, que Dieu te bénisse. Tu as montré que non, oui. Tu as montré que non, je ne perds pas mon temps. Que même si je veille là. Et le petit qui va, ou mon petit pompier qui va avoir courage pour me prendre, il va finir par être président à quelque part. Donc j'ai espoir. Hmm? Tanti, tu as rendu honneur à les filles. Vous les petits là, oubliez les petites. Hein? Arrêtez de coller les petites. Attrapez les Nyanyi. Avec Nyanyi, c'est soit tu dis.